parti pour une nouvelle séance d'activité physique. Aujourd'hui au programme, circuit training. Donc on va laisser le circuit training jambes de la semaine dernière de côté. On va faire un truc plus soft. Je vais vous accompagner sur l'échauffement aujourd'hui. Et après on va enchaîner sur notre circuit training avec 5 exercices. Donc sans plus attendre, on va parler en faisant l'échauffement. On va se mettre hop en élévation de talons. Donc on élève les talons. On en profite pour un petit peu échauffer les poignets. Bon, j'espère que ça va pour vous. Moi j'essaye d'améliorer mes vidéos. Là je fais un échauffement avec vous. Donc on essaie petit à petit de trouver des petites choses pour s'améliorer. On a bien entendu notre bouteille d'eau nationale à côté de nous pour s'hydrater, important. On va se mettre en position de squat sumo, donc pointe vers l'extérieur. Et puis on va faire des petites flexions. On pense à bien respirer comme d'habitude, on est bien grandi et puis on enchaîne. Donc pour vous expliquer rapidement le petit circuit et puis les exercices, donc 5 exercices. On va travailler un petit peu de tout, il y aura des exercices qui vont être un peu plus cardio, renfo, et d'autres exercices qui vont être un petit peu plus équilibre, etc. Donc vous allez voir ça, vous allez voir ce que je vous ai concocté. Pensez à bien respirer, important. Donc on a bien pointe vers l'extérieur, pieds sur la même ligne bien sûr. Et puis on essaye de bien se tenir droit. On relâche, on laisse ça de côté. On va venir élever ses coudes sur les côtés. Comme si on était allongé sur un transat tranquille. Sauf que, hop, je tends un bras puis l'autre. Pensez à bien respirer. On garde les coudes le plus haut possible. On garde notre position de squat sumo, donc pieds. Pointe de pied vers l'extérieur. Et puis maintenant, simultané. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir peut-être au début de la séance, vous avez besoin de quoi pour le circuit de training? Bah, pas grand chose, c'est pour ça que je parle de circuit sans matériel, parce qu'il va vous falloir 2 bouteilles d'eau. Donc pourquoi les bouteilles d'eau? Pour avoir un petit poids. Donc si vous avez des haltères, n'hésitez surtout pas à les prendre. Moi, j'ai pas de matériel chez moi. Du coup, je prends 2 bouteilles d'eau pour avoir quelque chose d'un petit peu lesté, un mouvement plus lesté. Ensuite, deuxième petite chose que je vais vous demander, tout le monde a ça chez soi normalement, t-shirt ou torchon. Et je vais vous expliquer pourquoi on va utiliser ça. Hop, on va faire ce mouvement-là avec nos flexions. On peut utiliser les 2 mouvements et les joindre, vous voyez. Lorsque je descends, hop, je tends les bras. Mais ça aurait pu être l'inverse. Je tends, hop, et je remonte. D'accord, comme vous le souhaitez. On met un petit peu de rythme. On s'échauffe. Maintenant, en alterné. Allez, on lâche pas, c'est bien. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe les bras. On va laisser ça de côté. Toujours mon écart de jambes. Hop, je vais venir talon-fesses sur les côtés. Si vous pouvez mettre du rythme, n'hésitez surtout pas, d'accord? Moi, je commence à m'essouffler, je sens que l'échauffement fait effet. Allez. On essaye de rester dynamique. On pense à bien respirer. Et on va envoyer un point. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4. Allez, on est reparti. 1, 2, 3, 4. On est reparti. 1, 2, 3, 4. On laisse ça de côté. On respire. C'est pas fini. Toujours en position. Et cette fois-ci, on monte les genoux. Le regard reste devant vous. Hop. 2, 3, 4. On respire. 1, 2, 3, 4. On respire. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 1, 2,
3, 4. On relâche, on relâche. Hop, on va sur les côtés et on va faire des petites rotations. On commence devant et petit à petit on va aller sur les côtés. Dans un sens. Et puis on augmente le rythme. Hop, la fréquence de rotation. On change de sens et on revient devant. Hop, et on relâche. Hop, je pense qu'on a fait un petit échauffement assez complet. Maintenant, je vais vous expliquer exercice par exercice. On va fonctionner sur un temps total de 10 minutes. Sur ce temps total de 10 minutes, on va enchaîner nos 5 exercices que je vais vous expliquer. Chaque exercice durera 40 secondes et enchaînera sur l'autre, d'accord? Donc vous allez voir que c'est votre temps entre les exercices. Si vous voulez aller vite sur l'exercice enchaîné, vous pouvez prendre 2-3 secondes, 4-5 secondes, libre à vous, d'accord? Et puis on est parti. Alors, pour le premier exercice, si je me souviens bien, on est bon. Oh là là, il va falloir que je travaille ma mémoire, c'est pas possible. Hop, mes haltères de fortune! D'accord? Donc je cache les marques, hein, sinon après on va me dire je suis sponsorisé Cristaline. D'accord? Cristaline, Volvic, Evian, voilà, on n'aura pas de problème avec la publicité commerciale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en position de squat. Donc mes pieds sont parallèles, d'accord? Pointe mes pieds alignés aussi. Regarde devant moi, d'accord? Donc je vais me fléchir et remonter. Jusque-là, on est bon. Sauf que moi, je rajoute mes haltères de fortune dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il va faire encore? On va faire un curl squat. Je vais donner ce nom, mais je ne sais pas si ça existe. Donc, hop. Donc, au moment où je vais fléchir, mes bouteilles d'eau vont arriver jusqu'à mes épaules. D'accord? Et puis, on va enchaîner ça pendant 40 secondes. Du coup, il faut remettre le rythme. Vous devez adapter votre rythme. Je vous le montre sur le côté, bras tendus, coude sur les côtés, hop, je me fléchis et les bouteilles d'eau arrivent à mes épaules. Voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, mon torchon, mon t-shirt, en l'occurrence, un t-shirt. Je prends mon t-shirt, écart d'épaule, d'accord? Vous voyez, écart d'épaule. Je vais chercher à tendre, à déchirer mon t-shirt. Du coup, prenez un t-shirt qui vous sert pas trop, d'accord? Au cas où si on a trop de force et d'un coup, hop, double t-shirt. On va essayer de faire attention. En plus, j'aime bien sûr. Hop, je cherche à tirer, vous voyez? Donc c'est tendu, mon t-shirt, hop, pas de tension, tension. Et je garde cette tension. Et je vais élever à peu près au niveau de mon menton. Pendant 40 secondes. Pensez à respirer, important. Vous coupez votre respiration à la fin. On devient une tomate toute rouge comme moi. Et on est parti. D'accord? 40 secondes. Hop! Notre troisième exercice. Ça va être un petit peu plus cardio celui-là. Donc, je vais mettre à piétiner. Tipping, d'accord? Sauf que je vais pas mettre que du tipping, que des pieds. Je vais rajouter un petit peu de jambes. De jambes. Je vais rajouter un petit peu mes bras. Hop! Et puis, je viens mettre plein de direct. Encore une fois, une question de rythme. Du coup, vous gérez votre effort. 40 secondes, c'est assez long. Vous faites pour durer sur les 40 secondes. Je peux ralentir, je peux accélérer. À vous de voir. Enfin, pour les deux derniers exercices, on aura encore besoin de nos haltères de fortune. On va partir sur des élévations latérales, d'accord? Vous voyez, lorsque vous élevez les mains sur les côtés, ça fait une ligne, d'accord? Vous avez votre position de base, hop, ainsi de suite, pendant 40 secondes.
Mais c'est pas tout. On rajoute quelque chose. Je vous ai parlé d'équilibre tout à l'heure. Je vais venir sur un pied de temps en temps, d'accord? Et serrer fort le ventre. Je serre fort le ventre. Et j'essaye de faire le mouvement. Ok. Donc, hop, double travail. Si c'est trop compliqué, seulement celui-là suffira, d'accord? Et de temps en temps, on peut essayer de monter. Hop, sur une jambe. Vous allez voir que ça va être très difficile, dans le sens où, hop, je le fais sur mon pied gauche. D'accord? Pendant 40 secondes. Le pied droit sera jaloux. Du coup, 40 secondes de l'autre côté. Et à force d'élever, vous allez commencer par vous envoler. Hop. Direction les Bahamas. Et voilà. Donc voilà pour les 5 exercices. Je prends de l'eau, je me prépare pour ce circuit de 10 minutes. Je prends mon chrono et on sera parti. A tout de suite. Allez, on a nos haltères de fortune, on est parti. Squat curl, hop, on est parti. Lorsque je fléchis, j'amène mes haltères au niveau de mes épaules, d'accord? Hop. On a les pieds sur la même ligne, d'accord? Hop. Pieds parallèles, vous descendez. Selon votre capacité de descendre, d'accord? Pas besoin d'aller chercher très très bas. 40 secondes, c'est long, jusqu'au bout. On repose, torchon, et on est parti sur les élévations frontales. Cherchez bien à avoir de la tension au niveau de votre t-shirt ou de votre torchon. Pour cela, vous allez chercher à écarter l'écart que vous avez pris initialement, donc cet écart d'épaule. On se tient bien droit, on lève jusqu'au menton, le regard devant vous. Pensez à respirer. Jusqu'au bout. Hop, on passe au tipping. Tipping, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas que ça. On va mettre les bras, direct, hop, gauche, droite, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sur les 1, 2, on va essayer d'accélérer, d'accord, 1, 2, 1, 2, 1, 2, allez, on piétine, on n'entend rien, on accélère, mais on garde son effort, ok, encore 5 secondes, allez, c'est bien, lâchez pas. On respire et on est parti sur nos deux exercices. Élévation latérale. On essaye de se tenir bien grand. On n'hésite pas à reposer si jamais c'est trop compliqué. Vous allez voir qu'à force, au niveau de vos épaules, ça va chauffer. Essaye de rester stable. Et on tient. Allez, 5 secondes. Et après, on changera de côté. On repose et on change. Allez. On lâche pas. On essaye d'amener nos haltères sur les côtés en tendant le plus possible nos bras. Donc avec des boulets d'eau, c'est pas évident non plus, puisqu'il faut avoir une certaine préhension. Du coup, vous devez bien tenir les bouteilles d'eau. Je sens qu'il y en a une qui va lâcher de mon côté. On pense à respirer. Et lorsqu'on élève, la même ligne. Allez, 5 secondes. On sera reparti en squat curl. Ou curl squat, je sais pas. Un des deux, hein. Hop, je garde mes bouteilles d'eau. Et puis on est parti. Attendu. Hop, j'amène à mes épaules. Je vous montre sur le côté ce que ça donne.
Hop, je me regarde bien devant moi. Les pieds parallèles sur la même ligne jusqu'au bout. Et je relâche. Exercice du torchon. Hop, pareil. Donc, légèrement fléchi sur mes jambes. Écarte d'épaule au niveau de mon torchon et j'ai l'air. Jusqu'à mon menton. D'accord. Je suis bien droit, mes épaules sont assez basses. Donc basse dans le sens où je ne veux pas qu'on monte les épaules et qu'on soit tout tendu au niveau des cervicales. Au niveau du cou. On ne met pas trop tension, on relâche. Jusqu'au bout. Hop. On est reparti. On enchaîne. Je prends ça. Vous pouvez lester si jamais vous le souhaitez sur le tipping. J'y avais pas pensé, bah j'y pense parce que j'ai pris les bouteilles d'eau. Hop, je vous montre sur le côté ce que ça donne. Hop, 1, 2. Et de temps en temps, vous accélérez. Quand vous le sentez. Tel un boxeur. Hop, on accélère. 1, 2. Je continue. Et en moment, 1, 2. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Là, je prends mes haltères. J'en suis sûr. Hop, élévation latérale. Je regarde devant moi parce que je vois mon voisin qui fait je ne sais quoi. Il doit sûrement suivre la même séance que vous. Allez, on y va. On élève ses bouteilles d'eau pour avoir la ligne. Hop. Changement de pied. Allez. C'est bien. Vous êtes facile, je trouve, hein. On va augmenter le rythme sur les 5 derniers exercices. Allez, c'est bien. Et comme je vous le dis, c'est un circuit que je vous propose. Et si jamais vous voulez enchaîner sur un deuxième, n'hésitez pas. On sera parti. 13 secondes, hop, je perds du équilibre. Allez, jusqu'au bout. Épaule assez basse. Serrez le ventre. Et je relâche. On enchaîne, c'est pas fini. Dernier. Hop. Bon, j'ai dit qu'on n'était pas fatigué, qu'on était facile. Je mens un petit peu là. Je peux pas trop accélérer là, je suis à fond. Allez, à votre idée, d'accord. L'important, c'est vraiment que vous teniez sur la totalité de l'exercice. On pense à respirer. Les pieds sur la même ligne. Les pieds parallèles. Jamais mes haltères aux épaules. Exercice du torchon. On est parti. C'est aussi le moment de respirer, hein, cet exercice de torchon. Je dis pas qu'on travaille pas. Parce que normalement, vous avez toujours cette tension. Vous cherchez tout le temps à écarter, à agrandir votre t-shirt, casser, déchirer votre torchon. Vous voyez la tension? Donc là, si c'est comme ça, c'est que le travail n'est pas à fond, à fond. Du coup, nous, on est toujours à fond. Jusqu'au bib. On respire. Et on est reparti. Tipping. Allez, je vais essayer de couvrir ma voix avec mes pieds. Et puis j'envoie. Hop, 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 hop. Allez, on est à la moitié là. 20 secondes. Allez, on tient, c'est bien ce que vous faites. Pensez à votre respiration et lâchez surtout pas mal. Pensez bien, c'est bien. Allez, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez, on garde. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. On accélère, on accélère. C'est bien, on reprend nos haltères, les deux derniers exercices, en position, on est parti.
Bien, normalement, après ces deux exercices, vous vous envolez. En parlant de s'envoler, j'espère qu'on va pouvoir bientôt partir. Les aéroports ne fonctionnent plus très bien. On ne peut plus partir de France. On ne peut plus aller là, 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 là. Oh là là. Ça me manque les Bahamas. Hein. Tous les week-ends, j'y allais. Et puis là, bon, je me concentre. J'arrête de raconter des bêtises. À respirer, allez, jusqu'au bout, c'est pas le moment de lâcher, on a fait la moitié, les épaules ça chauffe, c'est trop difficile, on descend un petit peu, on monte un petit peu moins, vous adaptez, mais vous essayez de garder votre rythme, jusqu'au bout, allez, il nous reste quoi, 5 secondes, allez, jusqu'au bout, c'est bien, hop. On va chercher de quoi s'hydrater. On aura fini le circuit du jour. Notre échauffement est terminé. Si vous voulez repartir sur un circuit, vous avez toutes les clés. Donc à vous de jouer. Je vous dis merci pour cette vidéo. Merci pour ce visionnage et à très bientôt.